C'est à l'aube du 18e jour que je vous retrouve. Aujourd'hui, retraite spirituelle, on va dire, même si je ne suis pas particulièrement croyant. On va aller visiter ce matin le Fushimi-Inari, le temple. Vraiment, s'il n'y en avait qu'un que j'aurais voulu voir avant de partir et avant d'en voir d'autres, j'aurais dit c'était celui-là. J'espère qu'il est aussi beau que je l'espère. C'est beaucoup d'espération. Et ensuite, on prend le train et on s'en va, on quitte un peu Kyoto, car je reviens demain à Kyoto pour une dernière journée. Mais aujourd'hui, oui, Koyasan, le Koyasan. Et je laisse passer une voiture. Ils n'ont pas l'habitude ici, ils s'arrêtent et ils attendent que tu traverses. Donc, quand ils voient que tu leur fais un geste pour les laisser passer, ils sont perdus. Donc, oui, le Koyasan, un lieu qui est sacré, donc... Un grand cimetière perdu dans la nature, ancien, avec de la mousse et tout, tout ce que j'aime. Et surtout, on va dormir dans un temple avec des moines. Encore le quartier de Gion, hein. C'est pas de ma faute, hein. J'habite entre Gion et la gare, donc forcément, quoi j'habitais. Mon petit hôtel, la lanterne de Gion, très très sympathique, un vieux bâtiment dans ce style, dans le style de ce que vous voyez, les bâtiments en bois là. La propriétaire très sympa, très marrante. Même la gare annonce la couleur. Rappelez-vous de ces petits piliers orange. Rappelez-vous ces petits renards. Mais comme vous le savez peut-être pas, j'aime beaucoup les temples Inari. Un petit... On va traverser avant que ça se mette à bling bling. Bon, j'ai pas pu me débarrasser de mon sac. J'ai oublié de le laisser dans un coin locker dans la gare JR, mais je n'en vois pas. C'est le bordel. Donc, je vais garder mon sac, c'est pas grave. On va commencer notre petite visite de façon de l'habitude.
Donc oui, j'ai gravi toutes les montagnes. Toutes les montagnes du Mont Fuji. Et celle-là, elle était sympathique. Alors, elle était un petit peu raide sur la fin. Eh bien, ainsi se termine ma petite visite du Fushimi-Nari. On va reprendre le train, on va retourner à la gare de Kyoto pour pouvoir partir pour le Kuyasan. Là, il y a 2h30, 3h de train qui m'attendent. Oui, la gare JR. C'est pas la même que l'autre. Je cherchais des Queen Locker partout et quand je suis rentré, je les ai pas vus, ils étaient juste derrière dans le coin. Pas doué ce matin. Je monte à contre-sens, mais tant pis. J'ai jamais vu un truc qui pouvait monter ça, s'il se décroche le truc, on descend en bas à vitesse. Nous voilà arrivés à Kuyasan et pour la première fois depuis qu'on est arrivé au Japon, même quand il a plu, je me décaille, il caille. Je ne sais pas à quelle altitude on est. Je ne sais pas encore quel bus je dois prendre, mais ça enchaîne là, on n'a même pas 5 minutes. Donc 2h30 de train, une vingtaine de minutes, 10 minutes de bus je pense, pour descendre un petit peu dans la vallée. Mais là il paye là. Je vais mettre un pull. Le temps de rentrer dans le top 3 pour une fois qu'on gagne quelque chose. Merde, on va prendre un petit truc bleu. Ah non, c'est là. Un petit truc bleu. On va le mettre là. Hop. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, on est le premier français. Si je ne dis pas de conneries, c'est d'ici que je vais dormir. Et je crois que je ne me trompe pas, Kumakaji. Avec une petite bête. J'ai demandé si je peux déposer mon sac. Donc je coupe un... Accueilli par des vrais moines, dans un vrai temple. Normalement le check-in est à 14h, là il est midi. Et ils m'ont déjà fait entrer. Je vous laisse montrer un petit peu ma chambre. Ah, là il y a mon lit. C'est simple, hein, mais c'est chouette. Putain, il m'a mis mes pantoufles dans le bon sens. Normalement je dois avoir un yukata dans un coin, mais je ne sais pas où il est. Bon, y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah, il est là, le yukata.
Un hôtel m'a fait chier parce que j'avais un tatouage, ils n'ont pas voulu que j'aille au Cento. Et là, il me dit pas de problème. Je ne sais pas si vous avez vu la scène, mais c'est vrai que je marchais sans faire trop de bruit vu que c'est les chambres. J'entendais un manga et il me semble avoir reconnu la voix de One Piece. Quand je me suis approché, j'ai vu un jeune prêtre qui doit avoir qui a une quinzaine d'années se barrer en courant avec son téléphone à la main. C'est marrant. On peut être prêtre et aimer One Piece. Très joli. C'est immense. Là, je crois que c'est où qu'on mange. Et ma chambre se trouve quelque part là-haut, tout au bout. Magnifique. Il a quoi aussi celui-là, hein? Donc nous arrivons à Okunoin. 2 km aller, 2 km retour.
Donc voilà, là je suis dans une partie, on va dire, un peu plus récente. J'ai vu, il y a même des grandes sociétés comme Panasonic et tout qui font des monuments, sûrement pour des chefs d'entreprise ou autres. Il y a une pente qui pète, hein. Il y a un guide, ils ont pris un guide qui leur explique des trucs et ils sont oh, ah, regardez, ceci est un arbre. Oh, voilà mon petit repas du soir. J'ai mangé en compagnie d'autres personnes. Peut-être un petit peu en avant, je vais attendre. Et il y a ça en face de moi, je ne sais pas c'est quoi. Un repas végétarien avec certainement du tofu, des haricots. Donc je vais tout seul. Apparemment les personnes qui devaient être là ne sont pas arrivées. Donc je peux commencer à manger. Là j'ai du riz. Ça ne fait pas plus mal comme ça, mais ils vont pas me battre parce que assis en tailleur avec des baguettes, ça va être. Et ça je pense que c'est pour la fin. Donc je vais goûter tout ça. Ça je sais pas du tout c'est pour quoi faire. Là c'est l'air d'être du sel ou je sais pas. Bon on va goûter tout ça et puis je vous dirai. Petite pause dans la smoking room. Et pour me rendre compte du repas qui était. Ça vaut pas du tout du coup. C'est pas mauvais, mais soit ça pas de coup, soit ça trop de coup. Il y a des trucs qui sont un peu stress. Mais ouais, c'est une super expérience, notre hôtesse, parce qu'on était avec une jeune femme qui nous expliquait tout super bien et tout. Et pendant ce temps-là, pendant que je suis au McLock, il y a des moines qui surveillent où t'en es pendant le repas pour aller faire ton lit. Donc je les laisse les gamins faire les lits. Ils vont nous garder. Ils vont filer toute la panneau. Quand je disais qu'il est venu faire mon lit, en fait, c'est pas trop merdé. Un matelas, et voilà. Des lits comme ça, j'en fais tous les jours. Bon. Allez, je vous laisse.